Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 15 novembre 2020, 15h59, heure du Québec, avec un peu d'espoir, un peu de lumière au bout du tunnel sur la conclusion de cette élection américaine qui en finit plus de faire rire d'elle un peu, hein? Gracieuseté de Donald Trump, qui ne veut pas admettre sa défaite et qui essaye de discréditer un des systèmes électoraux, une des structures électorales les plus fiables au monde, les plus solides au monde. Donc, dans un tweet aujourd'hui, il a semblé commencer à reconnaître la victoire de Biden, mais naturellement, il ne veut pas concéder la victoire parce que pour lui, ça a été truqué. Puis comme je vous l'avais déjà dit sur plusieurs autres plateformes, pour Donald Trump, le seul vote légal et le seul résultat légal aurait été une victoire. Tout ce qui est différent de ça, c'est truqué, c'est illégal. Un peu le même genre de philosophie puis de modèle de pensée que des Saddam Hussein, des gens, hein, le système politique en Iran. Il ne faut pas penser que les élections en Iran, c'est quand même ouvert et libre, ou que les élections en Russie, c'est ouvert et libre, ou en Corée du Nord, là. Hein, et on se rappellera de Saddam Hussein aussi, qui avait toujours des votes, comment dire, d'approbation et de satisfaction de presque 100%, sinon tu finissais dans la mare aux requins. Le système électoral américain, le système américain est des plus fiables. D'ailleurs, Donald Trump a été élu en 2016 avec le même système. Donc, s'il y avait eu une fraude pour l'empêcher d'être élu, il n'aurait eu déjà une en 2016. Et pour ceux qui ne s'en rappellent pas, pour te démontrer à quel point le système est vraiment ouvert et démocratique, à 10 jours des élections, tu as James Comey, qui était le directeur du FBI, qui est venu faire son petit numéro parce que les Républicains avaient mis de la pression sur lui pour réouvrir un pan de l'enquête sur les pseudo-courriels d'Hillary Clinton qui n'avaient aucune importance et dans lesquels il n'y avait absolument rien de compromettant. Il a quand même fait une conférence de presse pour dire qu'il réouvrait l'enquête parce qu'on avait eu un nouvel élément à 10 jours des élections. Imagine-toi. S'il y en a une qui devait crier à la fraude, c'est bien Hillary Clinton. Donc Donald Trump a été élu en 2016. Avec le même système. Mais comme il a gagné, parce que même en 2016, il disait, on lui demandait, est-ce que vous allez accepter le résultat? Il disait, je verrai. Si je perds, non. Si je gagne, oui. C'était ça sa réponse. Même chose aujourd'hui. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui n'a aucun respect pour la structure, aucun respect pour le système gouvernemental, aucun respect pour la société dans laquelle il vit. Il faut que tu acceptes les règles. Tu as perdu, tu as perdu. Il faut que tu tendes la main à l'autre, que tu lui facilites la transition. C'est ça le système gouvernemental, électoral, démocratique dans lequel on vit. C'est comme ça en France, c'est comme ça ici, c'est comme ça chez vous, peut-être en Suisse et ailleurs. Tu ne peux pas avoir un candidat puis parce qu'il a perdu, commencer à avoir une crise d'enfant gâté, une crise de tyran, de président totalitaire qui n'accepte pas que les gens les répudient. Et qui remettent en question tout le système d'un pays très solide parce que monsieur a perdu. Ça, c'est important de comprendre ça. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, moi j'avais prédit la victoire de Trump en 2015, naturellement en 2016 aussi, puis j'avais donné une chance, j'avais été un pro-Trump, hein, pendant un an et demi à peu près, jusqu'à ce que je vois que c'était vraiment du n'importe quoi sa présidence, puis que ça tournait autour de n'importe quoi, la division, la haine. Les gens me disent « Ouais, mais il n'a pas déclaré de guerre! » Ben c'est parce que les États-Unis n'ont pas besoin de déclarer de guerre. Il y en a tellement dans lesquels ils sont impliqués partout en ce moment. Toutes des guerres par procuration. Donald Trump a donné 4 trillions de dollars à l'armée américaine au complexe militaro-industriel en 4 ans. Mais il a déclaré la plus grande guerre et la plus dangereuse, la guerre contre notre démocratie. La guerre contre la confiance dans laquelle
on doit avoir dans notre système. Lui a déclenché cette guerre-là. Ça, c'est pas mal plus nocif que n'importe quoi d'autre. Et tout ça, ça a été orchestré par le Kremlin et Vladimir Poutine. Donald Trump étant la marionnette du Kremlin et Vladimir Poutine. D'ailleurs, avant l'arrivée de Trump, la Russie était en décrépitude, autant économique que sur le plan international et de son emprise et de son influence politique. Donald Trump lui a tout redonné au centuple après l'avoir amené à la présidence. C'est le Kremlin qui a créé toutes sortes de comptes faux pour faire la promotion de toutes sortes de théories bidons, complètement conspirationnistes, rien de fondé, loufoques, farfelues, burlesques. C'est le Kremlin qui a manipulé WikiLeaks et Julian Assange pour publier toutes sortes d'âneries pendant la campagne électorale pour faire élire le pantin du Kremlin, Donald Trump. Puis on a vu que ça a payé au centuple pour le Kremlin Vladimir Poutine. Au centuple. Et ça a amené à la destruction de la confiance du citoyen américain dans son système qui est infaillible. C'est trop gros, c'est trop massif, il y a tellement de monde impliqué là-dedans que tu ne peux pas le corrompre. Puis que tu ne peux pas truquer une élection. La preuve, Donald Trump a été élu en 2016, même s'il n'y a personne qui en voulait dans toutes les structures gouvernementales, même s'il n'y a personne qui en voulait dans toutes les structures financières, même s'il n'y a personne qui en voulait dans toutes les structures internationales. Le système est tellement fair et tellement juste, les gens ont décidé d'élire Trump. Ben, c'est Trump qui a été élu. Et c'est le même système en 2020 qui a permis à Donald Trump d'être élu en 2016. Mais ça n'a pas marché cette fois-ci parce qu'on s'était préparé à l'attaque de la Russie, on s'était préparé à l'attaque du Kremlin sur toutes sortes de fronts qu'on voulait commencer à inventer les histoires puis reprendre le même livre stratégique qu'on avait utilisé en 2016. Faut pas que tu oublies que James Comey a réouvert une enquête à 10 jours de l'élection sur des allégations complètement non fondées. Ça prouve à quel point le système est indépendant de la politique et James Comey a fait ce qu'il avait à faire. Mais même à 10 jours d'une élection, il s'est mis le nez là-dedans. S'il y en avait une qui avait à crier au trucage puis à la malversation, c'est bien Hillary Clinton. Parce qu'après ça, il n'y a rien qui est arrivé de tout ça. Il n'y a rien qui est découlé de tout ça parce que c'était du n'importe quoi. Et sur toutes les autres allégations de WikiLeaks, il n'y a rien qui est arrivé parce que c'était du n'importe quoi. Tout ça orchestré par le Kremlin directement pour amener le poulet qu'on voulait à la Maison-Blanche. Puis le système électoral américain est tellement juste fair que ça a permis à Donald Trump d'être élu. Puis là, on se retrouve en 2020. Où tu as un président qui continue le jeu du Kremlin, qui est de celui de discréditer le système américain, discréditer les institutions américaines et semer le doute dans l'esprit de l'Américain moyen. Ça, c'est le but du Kremlin, d'arriver à déstabiliser nos démocraties à partir de la base, c'est-à-dire le citoyen. Et c'est vraiment grave. Et c'est vraiment grave. Et ça, c'est la plus grande guerre qui a été déclenché contre les États-Unis, venant du Kremlin. Puis une guerre sans armement. Avec l'utilisation des réseaux sociaux pour raconter n'importe quoi. D'ailleurs, QAnon est une création du Kremlin. Totalement du Kremlin. Ils sont derrière ça, ils sont à l'origine de ça, et c'est eux qui manipulent tout ce que tu trouves là-dessus. Des idées tellement burlesques et loufoques que ça en est étourdissant. Mais les gens aiment ça, est une partie de la population qui croit en ça parce qu'on les a manipulés, parce qu'on les a endoctrinés à penser qu'il y avait toujours une conspiration, des ennemis qui les guettent partout. Un gouvernement mondial, satanique, formé d'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Ça en est rendu là. C'est grave. C'est vraiment grave. C'est vraiment malsain. C'est vraiment très, très nocif et dangereux. Et espérons que la fin de la présidence de Donald Trump va nous ramener de la rationalité, de l'intelligence, de la tolérance envers des gens qui sont différents de toi. Parce que selon Donald Trump et les Républicains, et Vladimir Poutine qui est derrière Donald Trump,
on a réussi à imposer la pensée unique dans notre pays. Même ici au Canada ou en France, on a été influencé par ça. Et aux États-Unis, on a commencé à instaurer l'idée de la pensée unique via le Kremlin, du Kremlin via Donald Trump. C'est-à-dire que tous ceux qui ne pensent pas comme nous autres, tous ceux qui se rangent pas derrière le président, qui s'aplaventissent pas devant le président, qui font pas des génuflexions devant le président, sont les ennemis du peuple. Tous ceux qui passent pas par le mariage homme-femme sont les ennemis du peuple. Tous ceux qui sont pas chrétiens sont les ennemis du peuple. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'ailleurs, on a vu Donald Trump démoniser toutes les catégories de gens qui sont pas dans le modèle républicain. Si tu questionnes le président en tant que journaliste sur son travail, sur ses politiques, sur son comportement, tu es l'ennemi du peuple, exactement comme en Russie, où les journalistes sont là pour amuser Vladimir Poutine. Puis si tu ne fais pas ça, ben, tu as des chances de finir empoisonné comme tous ceux qui l'ont fait avant et qui ont essayé avant, ou qui se sont retrouvés en Sibérie, quelque part, dans un goulag. Donald Trump a commencé à utiliser le même scénario, la même stratégie. Si tu es contre moi, tu es l'ennemi du peuple. Les médias, écoutez-les, regardez-les, c'est les ennemis du peuple parce qu'ils me questionnent, parce qu'ils sont pas là à me lécher les pieds. Vraiment nocif et dangereux. Tu peux pas, dans nos sociétés, commencer à accuser les médias de faire leur travail. Puis de ceux qui font leur travail, de les accuser d'être les ennemis du peuple. Que tu les aimes ou pas, à la fin de la journée, les médias ont un travail à faire. Puis c'est celui de questionner les politiciens. Si on n'est plus capable de faire ça, on s'en va directement dans le modèle de société de la Russie, de la Corée du Nord, entre autres. Donc c'est vraiment malsain, et c'est là-dessus qu'on doit se ressaisir. Tu as le droit d'être différent, tu as le droit de penser différemment, tu as le droit de manger différemment, tu as le droit de prier différemment, tu as le droit de t'habiller différemment, puis tu as le droit de penser que tu es différent du genre que la nature t'a donné. Tu es un être libre. Puis on doit tous se tolérer, puis on doit tous s'accepter, puis on n'est pas les ennemis du peuple parce qu'on pense différemment. C'est ça la diversité de la vie, c'est ça qui fait la beauté de la vie, puis c'est ça qui fait la force d'une société, c'est sa diversité. Regarde toutes les sociétés où on a la pensée unique, où on a imposé le totalitarisme, c'est toutes des sociétés faibles économiquement, socialement, structurellement et mentalement. Tu as besoin de diversité. Il faut une diversité. Puis c'est pas parce que tu veux un meilleur système de santé, c'est pas parce que tu veux un meilleur salaire, c'est pas parce que tu veux des meilleurs services scolaires et ainsi de suite, que tu es un socialiste, communiste, anarchiste, comme Donald Trump les a tous étiquetés. Tous ceux qui s'opposent à Wall Street, aux riches qui veulent être encore plus riches, si vous vous opposez à ça, puis si vous vous demandez un meilleur salaire, un meilleur service de santé, puis des meilleurs services pour vous autres, vous êtes des communistes, anarchistes, socialistes. Pour Donald Trump et les Républicains, la nouvelle cuvée Donald Trump, hein, pour être un bon citoyen et être du bon côté de la clôture, il faut que tu acceptes ton sort, que les riches vont toujours être plus riches, puis que c'est eux autres qui vont toujours profiter de tout, et toi, tu dois juste être à leur service et t'appauvrir d'année en année. Puis si tu demandes un meilleur salaire, si tu demandes de meilleures conditions, si tu demandes un meilleur système de santé, on va être là pour t'accuser de socialisme, de communisme et d'anarchisme. Vois-tu dans quel genre de bateau on est rendu? Wow! Il fallait que je vous parle de ça ouvertement, puis ça fait longtemps que je ne me suis pas ouvert politiquement. Puis moi, je n'ai aucun côté. Tout ce que je veux, c'est qu'on commence à se respecter, qu'on ait le droit d'être différents les uns des autres, puis ça ne fait pas de nous autres des ennemis, puis ça ne fait pas de nous autres le fait qu'on doit se lancer des pièces, s'insulter, puis qu'on doit tout finir en prison si on ne pense pas pareil. C'est exactement ce qui se passe dans les pays totalitaires. Tu ne penses pas comme nous autres, paf, tu finis en prison. C'est vraiment ça qu'on veut comme société? Wow! Finalement, Trump reconnaît, c'est l'Associated Press qui nous envoie ça, c'est tout frais,
semble reconnaître la victoire de Biden. Il est en train de jouer au golf, il n'est pas trop préoccupé. Donald Trump à gauche, faisant des gestes en jouant au golf. Ça, c'était aujourd'hui encore. Il est encore en train de jouer au golf. Ça fait des semaines qu'il joue. Depuis le soir de l'élection qu'il joue au golf. Dimanche, le président Donald Trump a semblé reconnaître pour la première fois que Joe Biden avait remporté la Maison-Blanche, mais a clairement indiqué qu'il ne concéderait pas et continuerait d'essayer d'annuler le résultat des élections. Les déclarations de Trump sont venues dans des tweets qui comprenaient plusieurs affirmations sans fondement sur le vote du 3 novembre, qui, selon les responsables de l'État du gouvernement fédéral, était sûr et sécurisé. Il ne faut pas oublier que tout ce que les républicains ont présenté devant les cours fédérales, ça a tout été rejeté. Parce qu'il n'y en a pas de fraude. Il n'y en a pas. Le système, c'est le système le plus sécurisé. Les républicains étaient là à vérifier partout. Pensez-vous que les républicains n'auraient pas eu d'observateurs? S'il y avait eu une fraude d'abord, comment ça se fait qu'il y a à peu près 15 sièges qui ont été remportés par des républicains à la Chambre basse, et que les républicains, jusqu'à présent, ont conservé le contrôle du Sénat. S'il y avait eu une fraude, penses-tu vraiment que ça serait arrivé? Penses-tu vraiment que Donald Trump aurait eu 72 millions de votes s'il y avait eu une fraude? C'est une élection serrée, quand même. Les déclarations de Trump sont venues dans des tweets, donc Trump, sans utiliser le nom de Biden, a tweeté « Il a gagné », ce que Trump n'avait pas dit publiquement auparavant, bien qu'il ait déclaré que la victoire du démocrate n'était qu'aux yeux des médias. Biden a vaincu Trump en reconquérant un trio d'États du champ de bataille du Midwest, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie et a dépassé le seuil des 270 voix électorales pour décrocher la présidence. Biden a jusqu'à présent 77,5 millions de votes, le plus grand nombre jamais attribué pour un candidat gagnant, contre quand même 72,3 millions pour Donald Trump. Si le président est prêt à commencer à reconnaître cette réalité, c'est positif, a déclaré Ron Klain, nouveau chef de cabinet de Biden, à Meet the Press, aujourd'hui, avec, je pense que c'est Jake Tapper. Pourtant, Klain a déclaré, le fil Twitter de Donald Trump ne fait pas de Joe Biden président ou non-président. C'est le peuple américain qui décide. C'est pas le fil de Twitter de Donald Trump. Un gouverneur républicain a déclaré que c'était bien en fait de voir le tweet de Trump qui admet que Biden a gagné. Je pense que c'est le début d'une reconnaissance. Nous voulons nous assurer qu'il y a une transition en douceur, a déclaré Asa Hutchinson, républicain de l'Arkansas. Le président a précédemment refusé d'accepter les résultats de l'élection et dans un tweet plus tard dimanche, il a creusé à nouveau en disant « Je ne concède rien, nous avons un long chemin à parcourir », même tout en reconnaissant apparemment la victoire de Joe Biden. Il a également soutenu, sans preuve, que l'ancien vice-président n'avait gagné que parce que l'élection avait été truquée. Trump a ensuite déposé des plaintes non fondées sur l'accès des observateurs du scrutin, ce qui est complètement faux, et sur les totalisations des votes et a affirmé « Nous gagnerons ». Twitter a publié naturellement des étiquettes d'avertissement sur les tweets du président parce que c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas eu de fraude généralisée lors des élections de 2020. En fait, les responsables électoraux des deux partis politiques ont déclaré publiquement que l'élection s'était bien déroulée, que les observateurs internationaux ont confirmé qu'il n'y avait pas eu d'irrégularité grave. Il n'y a pas eu de violence non plus, il n'y a pas eu de menace le jour de l'élection, tout était vraiment smooth. La campagne de Trump a tenté de montrer des contestations judiciaires à travers le pays, mais de nombreuses poursuites ont été rejetées et aucune n'a inclus de preuve que le résultat pouvait être inversé. Tout ce qui a été présenté devant les juges a été rejeté de A à Z devant les cours fédérales. Près de deux semaines après le jour du scrutin, Trump n'a ni appelé Biden, ni fait de concession formelle, et les responsables de la Maison-Blanche ont insisté sur le fait qu'il se préparait pour un deuxième mandat. Ces derniers jours, Trump semblait se rapprocher de la reconnaissance de la réalité de sa perte. Dans des commentaires vendredi dans la Roseraie à propos du vaccin contre le coronavirus, Trump a déclaré que son administration n'irait pas jusqu'au verrouillage pour ralentir la propagation du COVID-19 et a ajouté que, quoi qu'il arrive à l'avenir, qui sait quelle administration sera là en 2021, en janvier. Il le fera peut-être, je suppose que le temps nous le dira. Avait déjà commencé à admettre Donald Trump vendredi, hein?
Donc, Trump a renouvelé dimanche ses attaques sans fondement contre une entreprise de technologie électorale Dominion Voting System, sans preuve d'irrégularité grave. Dominion a déclaré qu'il nie les allégations concernant tout changement de vote ou tout problème logiciel présumé avec nos systèmes de vote. La Cyber Security Infrastructure Security Agency, une agence fédérale qui supervise la sécurité électorale américaine, a déclaré dans un communiqué la semaine dernière que l'élection du 3 novembre était la plus sûre de l'histoire américaine. L'agence a déclaré « Rien ne prouve qu'un système de vote ait supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou ait été compromis de quelque manière que ce soit. » Dans son dernier email de collecte de fonds, Trump a déclaré « À ses partisans que nous nous battons pour nous assurer que chaque scrutin légal est compté, chaque vote légal est compté, et qu'il y avait des équipes juridiques sur le terrain pour chaque État critique. » John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, a déclaré qu'il était important que les dirigeants du parti expliquent aux électeurs que Trump a perdu et que ces allégations de fraude électorale sont sans fondement. Bolton a quitté l'administration l'année dernière. Il a dit qu'il a démissionné. Trump dit qu'il a viré Bolton. Donc, voyez-vous, c'est toujours du n'importe quoi. Je pense qu'au fur et à mesure que chaque jour passe, il est de plus en plus clair qu'il n'y a aucune preuve de fraude. Mais si les électeurs républicains n'entendent que les fausses déclarations de Donald Trump, il n'est pas surprenant qu'ils le croient, a déclaré Bolton sur ABC cette semaine. Il est essentiel pour les autres dirigeants républicains de se lever et d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Donald Trump a perdu ce qui, selon toute preuve dont nous disposons jusqu'à présent, était une élection libre et juste. Rudy Giuliani, un autre sans complète crédibilité, maintenant il a tout perdu, l'avocat personnel du président qui aide à diriger le Front juridique national de Trump sur la contestation électorale, n'avait rien de tout cela. Dans une apparition télévisée que Trump a visionnée sur Twitter avec ses tweets du matin, Giuliani a nié que Trump avait concédé « Non, 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 loin de là !» Je suppose, a déclaré Giuliani à Sunday Morning Futures de Fox News, « Vous appeliez ça du sarcasme. » Donc, Donald Trump, qui était encore en train de jouer au golf, donc il n'est pas trop préoccupé, a finalement admis indirectement que Biden avait gagné. Mais c'est vraiment nocif, c'est vraiment malsain. Et honnêtement, pour le bien de tout le monde, de tous les pays démocrates et démocratiques plutôt, il est temps que cette saga-là se termine parce que ça mine la confiance du public dans nos structures et nos infrastructures. Si on n'est plus capable d'avoir confiance puis que le Kremlin a réussi à semer le doute dans nos esprits, c'est vraiment dangereux.